Mort d'Alain Delon, son testament révélé, le compte à rebours est lancé pour Anthony et Alain Fabien. Selon les informations du Figaro, le testament d'Alain Delon a été envoyé. Il s'agit d'un document de 4 pages qui a été adressé aux 3 enfants de l'acteur. Anthony, Anouchka et Alain Fabien, par courrier recommandé depuis la Suisse. Près de 3 semaines après le décès de la légende du cinéma français. Le compte à rebours est lancé pour les enfants, selon une source proche du dossier. D'après le Figaro, le courrier contenant le testament d'Alain Delon a été adressé par le notaire de la star, le vendredi 30 août dernier, depuis la Suisse. Il s'agit bien du document dans lequel figure la question de l'héritage de l'acteur du film Les Tueurs de San Francisco. Le document aurait également été transmis aux autres exécuteurs testamentaires, à savoir M. Christophe Ayella, l'avocat d'Alain Delon, ainsi que sa gestionnaire patrimoine. Comme l'expliquent nos confrères, les exécuteurs ont 14 jours pour se rétracter s'ils le désirent. Quant aux enfants de l'acteur, selon la loi suisse, ils ont 30 jours pour contester le document. Les fans de l'acteur retiennent leur respiration en attendant leur réaction. Après tout, la guerre entre les enfants de l'acteur a fait rage bien avant son décès. Dernièrement, Véronique de Villèle avait confié sur Europe 1, le 27 août dernier, que tout était parfait pour le départ de l'acteur organisé par ses enfants. Les enfants, je trouve d'abord, qu'ils ont fait un départ merveilleux pour leur père, franchement. Confie-t-elle. C'était digne, c'était parfait. Il n'y a pas eu un mot entre eux. J'étais à Douchy donc je sais de quoi je parle, a-t-elle souligné. En janvier dernier, Anthony Delon s'était déjà exprimé sur la question de l'héritage d'Alain Delon. Lors d'une longue interview accordée à CNU, l'ami de Paul Belmondo avait déclaré « Je voudrais commencer par éteindre un incendie, parce que toutes ces histoires d'argent, d'héritage, ça me rend malade. La succession est réglée, les problèmes d'argent il n'y en a pas », soulignait-il en détaillant. Ma sœur a 50% de l'héritage de notre père, tandis qu'Alain Fabien et moi, nous avons 25% chacun. Le temps fera la lumière sur la suite.